Le président qu'en fait des siennes, alors qu'il faut juste attendre la fin de saison, c'est pas ma faute si tes objectifs y sont éclatés. Et Saint-Etienne qu'ont perdu, ils ont 4 points d'avance. Voilà, petit à petit on revient. Petit à petit les gars, on revient dedans. Impeccable. Les Lavallois, ceux-là, on les casse en deux, c'est bon ? Eh, je mets l'équipe olympique. Je mets l'équipe olympique. Je déconne. Je déconne. On a dit olympique. Elou, tu rentreras en deuxième. Prépare-toi. Tu rentreras en deuxième. Et alors, attention à Benz. Benz qui, pour le moment, ne fait pas une très grande session. Donc, Elou, c'est peut-être ta chance. C'est peut-être ta chance de récupérer ta place de titulaire. Allez, bon match, les gars. Vamos. Les Timéo. Ok, ça va, il l'a pas vu partir, impeccable. Oui, 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 oh, Scrakito. Scrakito qui récupère des ballons. Cosito sur Scrakito. Encore, allez. Magnifique le crochet à l'Ousmane Dembélé. Benz. Benz. Elle était belle. C'est le gardien qui fait une belle... T'énerve pas, Benz. Il te reste encore 30 minutes. Ne t'énerve pas, Benz. T'inquiète pas, t'as le temps. T'as le temps de laisser Elou sur le banc de touche. Ouais, bien tiré, oui, bah oui, bien tiré, oui. Bien tiré, oui, sacré commentateur celui-là. Bravo. C'est mal tiré, faut le dire. Là, du jour où on met un corner, les gars, je saute au plafond. Parce que franchement, on est vraiment éclat. Oh, tu. Timéo. Ok, dommage, pendant l'attaque, il partait pas. Ok, Timéo, le rush, allez. Benz, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Oh, Benz. Magnifique! Cosito! Benz, tu mets beaucoup de points. Parce que j'aime beaucoup cette mentalité de ne jamais abandonner. Merci Benz. Bravo. Et merci à toutes les personnes qui ont contribué au train de la hype. Vous pouvez flex avec votre doux emote maintenant. Magnifique! Ouais, l'objectif c'est quand vous le débloquez, après vous l'utilisez quoi. Ce serait cool. Ce serait sympa. Bien joué Cosito! Oh, Willington envisage de raccrocher les crampons. Willington y prend sa retraite les gars. Et tu me diras ça va bien avec l'histoire. Ok Benz sur Matoise. Ok Benz. Très fair play Lou, j'apprécie. Cosito. Oh là là, Cosito, Cosito, Cosito. On t'a connu, tu mettais des triplés à tous les matchs. Donc on n'a pas encore le destin entre nos mains, je suis con. Allez Matoise. Y'a qu'un 0 les gars, y'a que 1-0. Darkham. Parfait, bien joué les gars, bien joué, on est costaud en défense. Oh Jaja, Jaja, Jaja qui nous fait une dernière saison fantastique. Il est fantastico Jaja, il faut qu'on crée un champ pour Jaja. Waouh. Pan d'attaque qui a complètement explosé jeune Kikilou Kiki. Allez, Kikilou Kiki, sur Mortadelle. Il est pas sonné, c'est bon, c'est impeccable. Phoenix, est-ce qu'on peut avoir un Doliprane s'il te plaît pour Kikilou Kiki? Darkham. En attaque. Allez, allez, ça tourne bien, ça j'aime bien. Continue, envoie-le en haut. Mais en haut, Scrakito. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Phoenixou, j'ai plus de limonade, s'il te plaît. Si tu peux m'en ramener une. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était une occasion en or de revenir à la hauteur. Oh, le retour de Mortadelle. Oh, le retour de Mortadelle qui vient défoncer la défense. On dirait Van Dijk. On dirait Van Dijk Mortadelle tellement il est bon. Ok, Elou sur Benz. Allez, parfait. Elou qui est très fair play avec Benz. Hein. Elou qui est très très fair play avec Benz, j'aime beaucoup. Hein. Ok, magnifique sur Cosito. Allez, bonne 2, magnifique. Allez, 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 tout seul. Glisse-lui, Matoise. Matoise, dommage. Il était en angle fermé. Bien joué quand même. Grandiose Matoise aussi. Hein. Aujourd'hui, grandiose. Hein. Il est là en plus, il est sur le chat. Il assiste assez à son MVP peut-être. Allez, Mortadelle. Point d'attaque, mets-la sur point d'attaque, mets-la sur point d'attaque. Benz, on va voir qu'est-ce qui se passe en haut. Qu'est-ce qui s'est passé en haut là? De nous? Bah oui, merci. Bien joué Timéo, qu'est-ce qui s'est passé là? On peut revoir s'il vous plaît? Ah non, il a même pas sifflé ça. J'ai même pas vu Benz se faire lyncher du coup. Marwan. Putain, je voulais faire tirer Scrakito du coup mais... Hein? Hein? Et personne. Oh, Darkham. Darkham. Oh putain, il fallait tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Elle a un carton jaune, elle a son calepin dans les mains là. Qu'est-ce qu'il y a là? Elou? Eh non, faut pas la mettre en l'air à Elou, il fait 1m30. Ok, point d'attaque, super, sur Benz. Ça combine bien. Allez, Cosito, 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 Cosito!
est serein avec deux buts d'écart. Vamos. Mais c'est quoi, un poisson d'avril? Non, abuse, toi, tu forces, là. Tu forces. En gros, un poisson d'avril, c'est quand tu... Bah, c'est le 1er avril. En gros, tu dis un truc à quelqu'un pour lui faire peur. Et tu lui dis... Non, je rigole, c'est un poisson d'avril. Genre, par exemple, là, je vais voir ma meuf. Je lui dis, hé, je te largue. Je déconne. Poisson d'avril. Ouais, c'est un truc de merde, mais... C'est... Je sais même pas si les gens font encore ça. Vous le faites ou alors... Ah non, non, non. Le truc de base, c'est pas un truc en mode tu colles un poisson sur le dos des gens ou un truc comme ça? De base. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on faisait ça. On collait des poissons dans le dos des gens. C'est ça de base, je crois, en fait. C'est même, ça n'a rien à voir avec, avec les Evan. Quel serait l'impact de la blessure de Benz? Tranquille, il est pas blessé, frérot. Et c'est comme tout à l'heure, il a pété ma voiture sur Fortnite, il le fait exprès. Nous avons des options. Elou? Ça, c'est un petit clin d'œil pour Elou, les gars. Cosito qui est heureux. Attends, super performance de Cosito. Oula. Une bonne performance globale. C'est un esprit d'équipe. Si je fais un match impressionnant, Cosito, il va prendre le boulard, ce salopard. C'est mort. Hors de question. Vous n'avez jamais douté? Jamais. Jamais. Jamais, aucune. Sauf le match précédent quand Kenzo il était en 1v1 contre le Gaulle. Là j'étais un petit peu dans le doute. Mais ça va au final ça s'est bien passé. Allez Dunkerque les gars. Et je crois que je remonte. Je crois que je suis en train de remonter ma barre. Regardez, le président je crois qu'il commence à être content. On est remonté deuxième, 4 points de retard du coup sur Saint-Etienne. Mais par contre on est repassé devant Angers. En fait je crois qu'il faut qu'on repasse devant Saint-Etienne pour que le président il soit content. Mais ça me bat, tant que je suis pas viré ça me bat. Allez ça part. Vous avez peut-être raison en fait, c'est peut-être les conférences en fin de match qui fait que. Bah Benz, du coup, t'es blessé? Pas de problème. Tu sors. Et Lou, tu rentres. Allez, Cosito. Ouh, ça j'aime bien. Ok, c'est quoi? Wouah, l'arbitre, y'a faute! Mais non, mais siffle le coup franc! Non, non, siffle. Ouais, siffle le coup franc! Putain, heureusement que c'est pas un jeu VR, les gars, parce que ce serait de la VR, je pense, y'a moyen, je fasse des clips comme High Show Speed. Genre, je prends le casque, je me retourne, je cours sur l'arbitre, frérot, je lui fais un plaquage, astro du cul. Et Lou! Non, Lily, t'inquiète pas, j'arrête pas YouTube, putain. Pas possible. Et comment les YouTubeurs, ils le font au premier degré et ils assument derrière? Putain, ça doit être trop chiant. Oh, Elou! Elou! Voilà pourquoi je le mets sur le banc depuis 5 matchs, les gars. C'est pour qu'il ait la niaque. L'envie de vaincre. Magnifique, Elou. Sur une passe de Cosito. Le retour du duo. Pourquoi tu arrêtes YouTube? Parce que vous m'avez saoulé les gars, c'est bon j'en ai marre. J'en ai ras le bol. Youtubeur c'est chiant. Y'a trop de moula. Et après je finis à Louis Vitus et je tremble quand je paye. Je vais retourner à McDo. Au moins quand je travaillais à McDo, j'allais me saper à Decathlon et je tremblais pas quand je payais. Tu vois maintenant je suis youtubeur, je vais à Louis Vuitton une fois et quand le mec il m'annonce le prix, je tremble en lui donnant la carte bancaire. Louis Vitus. En vrai, le prochain Louis Vuitton que j'achète, c'est en dessous de la Tour Eiffel. Il y a des mecs qui les vendent à prix bradé. Ils font des promos de zinzin dessus. Hein. 90% de promos, je crois. Genre, en magasin, ça coûte 4000 balles. Eux, ils te le vendent à 40, je crois. Franchement, c'est les meilleurs promos. Parce que c'est du faux. Mais ta gueule, c'est pas du faux. Il y a écrit LV dessus. C'est du Louis Vuitus. C'est du Louis Vuitus, ils vendent du Louis Vuitus, du Herpes, il y a du Gouchin aussi, il y a énormément de Gouchin, et le dernier c'est quoi? Vanelle. Un client en cours. Et non, en dessous de la Tour Eiffel les gars, dans les endroits touristiques. Cosito, sur Elou? Non. Tout ce que j'ai à dire, c'est que pour le MVP de cette session, pour le moment, pour moi, c'est mon avis personnel, on a Matoise, on a Jaja et on a Suenito. J'ai pas peur de le dire. Je peux peut-être enchaîner deux sessions en étant MVP. Coach MVP. Hein. Elou, je l'ai mis sur le banc de touche au début pour le motiver. Il arrive, il est motivé. Au départ, je mets Kenzo et tout. Kenzo, il met un but. Je fais rentrer MCGT titulaire au début, il fait des petits matchs tranquilles, sympa. Pour le moment, le coach, il est impartial. Hein. Magnifique. Pour te le rappeler quand même, Elou. Pandi Panda.
hashtag alias attaque, il a son trophée homme du mois. Je dis ça, je dis rien. Le seul mec du Suenito FC qu'il a. Tiens, c'est lui d'ailleurs. Pandi Panda. Ok, et Luki laisse la balle sur Kiki Luki, c'est bien joué ça. Cosito, de la tête, s'il te plaît. Allez, tu fais 4 mètres, frérot. Ok, Matoise. Pandi Panda. Allez, va le chercher. Montre-lui ce que c'est qu'un joueur du mois. En parlant du loup. Oui. Rien à foutre, lui, c'est mon chouchou. Avec Marouane. Marouane aussi. Marouane, c'est le GOAT. C'est notre André Sinessa, mais alors, hé, frérot, lui, c'est notre Brésilien. Il te fait des flics et flaco. Ça va trop vite. Magnifique. Vamos. Hé, 3-0. Si le président, il n'est pas content, je débarque chez lui avec un sniper. Bien sûr, une réplique. Twitch, hein. Une réplique de sniper, un faux. Et je lui casse la gueule sur GTA. Magnifique passe décisive de la part de Suenito. Les gars, bientôt, aventure GTA RP en compagnie de Morleking sur. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le serveur à JL Tommy, je crois. Flashland ou Flashback, je sais plus. Bien sûr, je dis de la merde. Je crois que c'est Flashback Whitelist, je crois. Si je dis pas des conneries. Non. Oh là là, Jaja. Hey, ça me fait chier parce qu'en fait, ça m'aurait fait plaisir pour Matoise là. Mais Jaja, il est vraiment en train de faire une session de malade. Hein. Et là, ce serait bien qu'il reste sur une invincibilité. Comme ça, ça compte pour l'objectif. Faut pas qu'il se prenne de but. Les gars, faut pas qu'on prenne de but. Comme ça, ça nous compte pour l'objectif. Flashback, c'est JL Tony. Ok, bah je crois que c'est sur son serveur du coup. Oh, bah alors attends, c'est un serveur de pro gamer. Attends, mais moi, si je débarque et que je commence à faire le con. Enfin, faire le con en étant RP, hein, attention. Mais bon, mon personnage, ce sera un petit peu. Bah, ce sera RP dans la vraie vie, quoi. Ce sera un petit peu moi dans la vraie vie, hein, un mec un peu con, quoi. Attends, non, s'il te plaît, il nous faut l'invincibilité. Darkham, voilà, allez, on voit devant, frérot. Ne prends pas la tête. Oh, péno. Jaja, c'est ton moment. Je peux pas le. Oh, le jeu, il est pas fun. Le jeu, il est pas fun. Je peux même pas le faire tirer, Jaja. Marouane, tu joues ton MVP de la journée. Tu joues clairement ton MVP de la journée. Non, Scrakito, t'oublies. Non, Scrakito, toi, c'est mort. Tu te demandes plus jamais, tu nous as niqué la saison précédente. Plus jamais, tu tires un seul penalty et tout le chat, il est d'accord. Ah bah, du coup, c'est Marouane. Putain, lui, c'est vraiment un dégosse. Au moins, il n'y a pas de doute. Marouane est bien follow à la chaîne de Suenito. Il n'y a plus de doute. Frérot, pourquoi tu flexes? Pourquoi tu flexes comme ça, Marouane? C'était pas mon dimanche hier, hein. C'était clairement pas ma journée hier. Après, en vrai, je m'en fous. Vous pouvez me vanner entre M8 et KC, j'en ai rien à foutre. Parce que Rocket League, je m'en fous. Par contre, le jour où M8, ils vont gagner la KC sur League of Legends, là, je le prendrai un petit peu plus à cœur. Et sur le Valo aussi, je m'en fous. Parce que sur Valo, j'aime bien M8, vu qu'il y a Benyaz. Mais, en off, ultra KC. Vu que Marion est pour les M8, comme ça, il y a de l'ambiance à la maison. Quand il y a Classico, il y a de l'ambiance. Mais tout dans le respect, hein, par contre. Hein. Attention, là, on n'est pas en mode tweetos. Hein. Putain, je les vois sur Twitter. Putain, les mecs, oh, ça fait peur. Hein. Oh, les M8 et les KC sur Internet, frérot. Ça en envoie plein la gueule. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Merde. L'interview. Oh. Saint-Etienne, match nul. Let's go. Ok, on a 2 points de retard. Et on a encore le match contre Saint-Etienne. Allez. Vamos. Oui, sur X, mais moi je dis Twitter, je suis un boomer. Ça mettra du temps avant que je dise. Comme évoqué en début de saison, le club s'était fixé un objectif important. Renforcer les finances du club. Frérot, c'est normal que t'as pas reçu l'argent des ventes des maillots. On s'était mis d'accord, monsieur le président. Je les encaisse. C'est pour esquiver un petit peu les impôts. C'est moi, je les encaisse. Et ensuite, je les donne au club. Et il va arriver l'argent, le président. Et il va arriver cet argent. Alors ok, on est partis tous en vacances la semaine dernière avec l'équipe, mais on n'a pas payé avec l'argent du club. C'est Scrakito qui a payé. Il a payé un resto. Le reste, j'avoue, on a payé avec les maillots. Mais il faut se faire plaisir. C'est pour la cohésion de l'équipe. On va te mettre titulaire et après tu vas flex. Donc non, pas tout de suite. On va rester hashtag humble. On va te mettre la pression un peu. Allez, Morta, Matoise. Oh, Darkham. Putain, Jaja, les gars... Je crois qu'il n'y a plus de débat possible. Jaja, il va être MVP. Hein. Là, je vois pas ce qui pourrait faire en sorte que Jaja ne soit pas MVP. Hein. Hormis se prendre un but à la 90e sur une erreur incroyable ou quoi. Là, putain.
Va falloir se battre, Matoise, hein, parce que il est on fire, Jaja. Allez, Scrakito, sur Matoise, justement, parlant du loup. Directement sur Kikilou Kiki, tu l'as vu dans l'axe. Glisse-lui ! Oh, il l'avait glissé, dommage. Scrakito qui récupère, magnifique. Voilà. Allez, Cosito. On est nul ensemble, j'ai l'impression de voir l'OM qui joue. Ça m'exaspère. Oh, hier, on a fait 34 centres, frérot, les 34 centres, ils ont fini sur un Parisien. Ouais, superbe défense. Après Auxerre, on s'en fout, on a trop de points d'avance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Saint-Etienne. Allez, Cosito. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu courir comme ça. Allez, Benz. On rappelle qu'il est toujours en concurrence avec Elou. Alors attention, il a une pression supplémentaire comparée aux autres. Ok, sur Matoise. Nickel. Beau petit 1-2. Là, tu reviens sur Marouane. Ok, Scrakito. Marouane. Ok. Tu l'as vu. Pandi. Attaque. Et lui, c'est notre pépite de... Il va avoir le ballon d'or, les gars. Peut-être pas le ballon d'or, mais le joueur de l'année. Les gars, faut qu'on aide Pandi Panda. Tout pour Pandi Panda attaque. Il y a moyen qu'il ait le joueur de l'année, lui, hein, de Ligue 2. Morleking, il m'a dit, à la fin de l'année, il y a une cérémonie. Cosito, il fait une belle saison aussi. Et je crois pas qu'il ait eu de joueur du mois encore. Pandi attaque, il est très très bien parti pour l'avoir, le trophée, hein. Et il nous faut au moins un joueur du Suenito FC qui le chope, celui-là. Au moins un. Ce serait magnifique. Que si un de tes joueurs est le meilleur. Voilà, c'est ça, Cosito. Mais là, pour le moment, c'est bien. Toi, je crois que t'es le meilleur buteur du championnat. Et Pandi Attaque, il fait des très très bons matchs. Donc, en vrai, il y a peut-être moyen. Surtout si on finit... Logiquement, si on finit premier, c'est un de nos joueurs qui a le trophée. Logiquement. Non. Darkham, allez. Imaginez, c'est Jaja qui l'a. Je pense là, ça compte pas dans le MVP. Poteau rentrant, il peut rien faire. Je pense qu'on peut pas lui reprocher là, Jaja. En plus, il est dessus quand même, genre il fait l'effort. Tu peux voir ? Ah, il peut rien, non, il peut rien. Là, il peut rien faire. Là, les gars, on lui en voudra pas. Frérot, décidément, eux, ils nous font vraiment suer à tous les... C'est son premier but. Un but en 13 matchs. C'est son premier but de la saison, c'est contre nous, c'est honteux. Ok, Timéo, allez, d'entrée, direct. Ben, Bandi Panda, Cosito. Cosito, on sait que t'es en concurrence avec Pandi Attaque. Mais si tu continues de faire exprès de choke ça pour pas que Pandi Panda il ait une passe décisive, je te vire du club. Là, celle-là, il est censé la mettre, hein. Juste parce qu'il est en concurrence avec Pandi Attaque, il a fait exprès de la tirer du droit, alors qu'il est gaucher et qu'il était du meilleur côté pour faire du gauche. Benz, ok. Bah, salopard Baptiste. Phoenixou, j'espère que t'as donné une petite Red Bull à Elou parce qu'il va pas tarder à rentrer. Et certainement à la place de Cosito d'ailleurs, au passage. Si je peux te mettre la pression avant que tu sortes. Ok, bah. Hey, les gars, Kikilou Kiki, je crois qu'il est revenu à son prime. Kikilou Kiki, je crois qu'il est revenu à son prime. Ok, Benz. Allez. Peut exploser devant... Oui. Allez, Cosito. Super, sur Marouane. Scrakito, renverse tout sur Timéo. Oh putain, dommage, c'était bien. C'était bien tenté. Allez, on va prévenir le mec. Et Lou. C'est quoi à la place de Benz? On va leur mettre la pression en deux. Scrakito, Cosito, tu vas rester encore un peu. Sulfa. Tu rentres à la place... Oula, non, attends, Sulfa, il est décédé, je suis bête. À la place de Darkham. Merci d'ailleurs pour les 10 euros. Merci beaucoup, Sulfa. Merci pour les 10 euros. Et Kenzo, tu rentres un petit peu à la place de Matoise qui va aller se reposer. Allez, ça va lui mettre la pression pour son MVP. Ok, Morta. Eh, Morta, par contre, s'il enchaîne aussi les matchs comme ça, on va peut-être le placer dans les MVP potentiels. Hein. Il a pas fait de truc de fou pour le moment, mais il défend bien. Hein. Il est constant en défense. Surtout que ça fait quand même plusieurs sessions qu'il est là. Morta, on va pas... Allez, tu l'as vu, Matoise. Oh, dommage. Putain, s'il mettait un but juste avant de sortir, ça aurait été incroyable. Là, il n'y avait plus débat, c'était Matoise le MVP. Hein. Matoise! Tu sors. Marouane à la baguette. Regarde le petit Hobbit. Regarde le petit Hobbit qui va couper. Ok, non, Cosito? Oh, boum! Boum, attaque! Oh. Et Lou, sur Scrakito. Si je peux me permettre, coaching gagnant encore une fois. Je fais rentrer Elou. Premier ballon de Elou. Passe décisive sur Scrakito. Alors que j'ai hésité à sortir Scrakito pour faire rentrer Kenzo, mais au final j'ai sorti Matoise
alors que Matt Wass est dans une journée olympique. J'ai pris un risque. C'est tout ce que j'ai à dire encore une fois. Le coaching gagnant. Tu abuses. Ah non ? Tout ce que je viens de dire, c'est réel. Hein. Demande à Scrakito. À chaque fois, c'est lui qui sort. Donc, vous pouvez pas m'avoir. Là, c'est Pep Suenito. Effectivement, le... Morta. Non, pas Morta, excusez-moi. Timéo. Kikilou Kiki. Oh, le Viking. Bien joué, le Viking. Sur Kenzo. Bien joué. Allez, avec Kenzo. Il est bon en passe, lui. Il est bon en passe. Ça va partir. Oh, que oui. Oh, que oui, Kenzo. Il a la grinta. Le Viking, magnifique. Oh, bah, il y a Kenzo. Point d'attaque qui fait plus confiance. Ok, Kenzo. Magnifique, sur Elou. Faut en mettre un troisième, les gars. Je suis pas rassuré. Ils vont en mettre un à la dernière minute. C'est notre bête noire, on le rappelle. Eux, ils sont tout le temps là en train de nous enquiquiner. Michel Bay. Ok. C'est qui, SCB? Ah, Bastia. Bastia. Ok, bon, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Bastia, ils ont beaucoup de retard, malgré leur début de saison qui était fantastique. Et pareil, les gars, c'est sympa. Bon, faut la récupérer, là, il faut la garder derrière. Allez, récupérez-moi ce ballon, là. Allez, Morta. Allez, allez, va dessus. Oh là là, et... Mais voilà, c'était sûr. Putain, ce jeu, les scripter. Je vous l'ai dit, c'était sûr. Regardez-le. Scrakito. Attaque. Allez. Viking. Allez, allez, encore. Scrakito l'a tombé. Oui, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est à nous. Siffle. Mais c'est tout franc. Mais c'est pas possible, ces arbitres. Attention au pressing. Mais ça y est, on va en espérant que ça va être terminé. Mais c'est pas vrai, jeu vidéo. Putain, il connaît que le cul. Vas-y, les journalistes, posez des questions sur les arbitres là. Posez-moi des questions sur les arbitres là. Moi, je veux me les faire. Angers, ils ont perdu, c'est nickel. Saint-Etienne, par contre. Putain, mais merde! Le but en fin de match. Ah voilà, et là, par contre, il peut pas me mettre une option. Arbitre enculé. Qu'avez-vous pensé de les. Honteux. C'est honteux. Pourquoi la victoire vous a-t-elle échappé? Bah, parce qu'il y a l'arbitre, c'est une connasse! Excusez-moi pour le vocabulaire. Un match serré, on les a mangés, on s'est fait juste fait voler. Retenir la de t'affaire encadrée. C'est trop. Pardonnez-moi. Et voilà, le président, du coup, il me met une soufflante. Et je vais me faire virer. Et Saint-Etienne qui... Et voilà, c'était sûr. Et du coup, ils ont 4 points d'avance. Et voilà. Toute notre avance, on l'avait rattrapée. Et ben, on s'est fait siffler. Je vais me faire taire juste avant de parler. Non, mais c'est de la science-fiction. Benz, tu sors. Désolé, il y a un fois qui bouffe, c'est toi qui bouffe. Les gars, après, vous allez dire que je suis une mauvaise foi, mais c'est réel ce que je dis, hein. Les arbitres, ils sont catastrophiques. Je vais pas pleurer non plus, c'est un mode carrière, on s'en fout, mais ça me fait chier. Allez, Matt Wass. Allez, on les foudroie ceux-là. Pas d'attaque. Pas d'attaque. Sur Cosito. Mais c'est pas possible. Allez, Timéo. Oh là là, en haut il est tout seul, en haut il est tout seul. Darkham, il va là-dessus. Attention Dark. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, Jaja. Oh, c'est le MVP. C'est le MVP d'aujourd'hui. C'est le MVP, c'est sûr. C'est bien parti pour ce corner. Ouais, papi, papi. Ok, Morta qui récupère, magnifique. Allez, Elou, boum. Mais c'est pas possible. Mais quand même! Excusez-moi les gars, désolé, je vis les matchs à fond. Il y a le titre en jeu, il y a le trophée en jeu les gars. En plus j'ai acheté une super veste pour la cérémonie de fin d'année, donc j'aimerais bien la renta. Il faut qu'un de nos joueurs soit joueur de l'année. Allez, Scrakito, Matt Wass, Cosito. Il faut en coller 5 ou 6 à eux, c'est bon frérot. On se fait voler depuis 3 matchs là. Allez, Elou. Elou, magnifique. Magnifique sur point d'attaque. Oh putain, dommage. Allez, elle a tombé. Ah, dommage. Darkham. Scrakito, les gars. Scrakito, il est tout seul. Scrakito. Oui. Allez. Déjà, la première, on s'est fait 40 en beauté. Quand je vous dis en beauté, c'était vraiment en beauté. Il y a eu des bugs FIFA. Il y a eu des bugs de sauvegarde. Il y a eu des arbitres honteux. Là, je commence la session aujourd'hui. L'arbitre, il nous 42 matchs. Ça va, au bout d'un moment, moi, je... Ok, c'est que de la carrière. Mais je suis pas, même sur de la carrière, j'aime pas me faire voler, frérot. Ça y est, faut doser. Allez, Timéo.
Y'a pas d'attaque, est tout seul. Ok, Scrakito, boum. Reviens, sur point d'attaque. Let's go. Allez, c'est bon, je commence à me calmer. C'est bon. Je commence à me détendre. Excusez-moi, les gars. Désolé pour vos oreilles. Désolé tous ceux sur YouTube qui regardent les vidéos de Suenito la nuit. J'espère que vous avez des écouteurs. Essayez de baisser le son un petit peu. Allez. Moi, je veux bien lui payer un resto. Tiens, Cosito! C'est pour la terre de Scrakito, ça! Oui! J'aime pas parler doucement. Après, c'est pas ma faute, j'ai le casque aussi. C'est pour ça que je parle forcément fort. Quand on a le casque sur les oreilles, on parle trop. Chacha, s'il te plaît. Non! Fallait le truc d'invincibilité. Le président, il va me niquer. Il va me gronder. Bah, si, c'est grave, nana. Si, c'est grave. Parce que je suis à deux doigts de me faire virer. Et je crois qu'il nous manque deux matchs. En gros, il nous faut deux matchs à l'extérieur sans prendre de but. En tout, il en faut 5 et on est à 3, je crois. Oh, mais là. Ah ouais, mais. Putain, on s'est pris de but qu'il fallait pas prendre. Manita, ta bouche. Il en a mis combien, lui? 2? Non, plus, non? Il en a pas mis 3? Ok, 2. 20 buts en 28 matchs. Hein. Ça me fait mal au cœur de le dire. Mais je crois que c'est Cosito qui va être homme de l'année. Vu que c'est le meilleur buteur et que les journalistes, ils regardent que les buts. Les gens qui font des passes et tout, ils s'en foutent. Alors que c'est ça le plus important, parce que s'il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but. C'est Cosito qui va repartir avec le trophée. Et alors là, on va être dans la merde. Il va le mettre en bio Twitter. Scrakito ? Ok, encore ? Scrakito ? On attaque ? Sur Matoise ? Il va choper ton MVP. Oh, et d'où ? Je vois le coach adverse qui fait des changements, je vais en faire aussi. Manque de personnalité du côté de la Sony Corp. Benz, tu rentres à la place de Pandattaque. Le Viking, tu rentres aussi. Cosito, tu viens te reposer. Sulfa, tu rentres. Kenzo, tu rentres. MCGT, tu rentres en défenseur droit. Ça va te détendre. Ça va te calmer. Benz. Wouah, il a sauté dans les couilles. Ah non, c'est bon, c'est le tort. C'est encore... Les gars, excusez-moi, mais ça, c'est faute. Hein. Ça, c'est faute. Hein. S'ils sifflent pour eux, c'est honteux. S'ils sifflent pour eux, c'est honteux. Hein. Après, vous osez me dire l'arbitre, il est cool. Ouais, ok, ouais. C'est lui qui vient, il l'ex... Oh, Elou. Le Viking sur Kenzo. Magnifique. Elou, et là, vas-y, ma petite. Un petit sixième, quand même. Un petit sixième, ça fait plaisir. Pour les Suenito Corp qui ont fait le déplacement. Scrakito. Ça sort pas, magnifique. Kikilou kiki. Oh. On est nul. Oh, sur centre, on est mauvais. Hein. Oh. Heureusement qu'on gère le tiki-taka, parce que sur centre, c'est affreux. Auxerre contre Grenoble, qui on s'en fout. Bien joué, Morta. Morta costaud. Morta, il a tenu la défense, là. Hein. Morta, il tient la baraque derrière aussi. Hein. Morta, Jaja, ils sont en train de nous carry, hein, parce que sinon, on prendrait des valises à chaque match. Hein. Oh, j'ai la limonade qui descend, j'ai envie de faire pipi. Le stress. Le stress est à son paroxysme. De toute façon, on s'en fout, on a gagné. Mais... Chier ce but, putain. On aurait pu valider l'objectif. Normalement, t'as le truc d'invincibilité car c'est que à l'extérieur que ça compte. Eh ben, je suis à l'extérieur, là. On est à Rodez, là. On est à l'extérieur, les gars. C'est pour ça que je râle. Ça marche que à l'extérieur, effectivement. Donc c'est pour ça que je râle. Parce que c'est à l'extérieur, là. Donc ça nous aurait compté l'objectif. Angers qui gagne, ok, rien d'étonnant. Dunkerque, les pauvres, je sais pas où ils sont, mais ça se passe mal pour eux. Cosy, ça y est, arrêtez de nous parler de lui tout le temps, il va prendre la confiance après. Une bonne performance, allez, une bonne performance, bien joué Cosito. Il a fait son travail, il est numéro 9, il a fait son travail, il a mis des buts, bravo. Une réaction après ce résultat, on joue pour gagner. Ici c'est que la win, QLW, que la win. Qu'avez-vous pensé de ce match? Les joueurs, vous pouvez être fiers de vous, bravo les gars. Le maillot, s'il te plaît, Benz. Magnifique, Mimi, merci. Ça demande les maillots des joueurs maintenant à la fin des matchs. Merci beaucoup, Mimi. Et Saint-Etienne, 2 points d'avance. C'est bon, les gars. On est de retour, les gars. Si on gagne contre Saint-Etienne, on repasse devant Saint-Etienne. Hey, attends, départ. Dis-moi que le dernier match, c'est contre Saint-Etienne. S'il te plaît. Bon, alors là, par contre, là, c'est scripté 100%. Il n'y a plus de match contre Saint-Etienne. On les a déjà joués. Non. Ah ouais, on les avait joués, on avait perdu.
C'était juste après Paris.